Et salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve en cette fin juillet pour reprendre un peu les épisodes de Mind Test for Fun. Ben ouais, reprendre une fois de plus. Je fais ce que je peux, je suis très occupé. Non, arrêtez de me taper. Je suis très occupé et en plus de ça, mon ordinateur me fait des trucs pas possibles. Typiquement là, j'ai une panne de... J'ai une panne sur ma carte son, c'est fabuleux. Donc en fait, il n'y a plus qu'une seule prise qui marche, c'est l'entrée casque. Donc j'ai dû ré... dans l'entrée, pardon, l'entrée micro. Donc j'ai dû réactiver ma carte son toute pourrie, intégrée pour le son qui va dans mes écouteurs. Heureusement que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre, sinon vous auriez plus d'oreilles. J'espère que mon micro est bien réglé. Normalement, ça a l'air pas trop mal. Sachant que je viens de passer à peu près une demi-heure, hein, donc à essayer de résoudre ce problème, et ça ne veut pas, tout simplement. En fait, si je branche la sortie son dedans, enfin, si je branche le casque sur la face avant de l'ordi, le son sort, mais j'ai pas d'entrée, le micro veut pas. Et à l'inverse, si je branche à l'arrière de l'ordi, j'ai le droit d'avoir le micro qui envoie de la voix, mais pas le son qui sort. Donc concrètement, bah, je suis un tout petit peu embêté, n'est-ce pas? Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que ben je vais faire comme ça cet épisode. Je verrai après service après-vente, tout ça, voir s'il y a quelque chose à faire ou si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ici ou là. Et puis en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avancer un petit peu l'arbre de vie qui se trouve là au fond. Ma rendue à distance a un peu diminué, c'est à moitié normal comme ça. Ben vous allez pouvoir voir le timelapse parce que j'ai déjà tourné en fait. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve un petit moment plus tard. En fait, au final, j'ai pris ce que j'avais à faire et j'ai même commencé plus que j'aurais cru. Donc, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est que je me suis dit que, sachant qu'on a un... On a un petit nanarbre, hein, vous voyez, qui pousse gentiment, je me disais ça pourrait être super cool d'avoir une espèce de... Tandis que l'arbre est super voyant, d'avoir un repère top secret que personne ne connaît, hein, c'est pour ça qu'il est sur YouTube. Qui sera caché donc là-dessous. Donc je viens de commencer en fait à faire l'escalier. Je réfléchissais un peu à comment le faire en même temps et je m'étais enregistré. Mais bon, ça, quand je réfléchis et que je vous parle en même temps, ça donne un truc que qui on dormirait le plus réveillé de d'entre vous. Donc j'ai décidé de ne pas vous diffuser ce petit bout-là. Et comme je suis un fifou, de faire directement les choses
comme elle venait. Donc l'idée, c'est qu'on va vraiment se donner un bout de... Comment? On se retrouve en fait dans l'arbre, sous terre. Et en fait, on a la limite extrême hein, du sol. Il se trouve donc juste un bloc au-dessus. Et ce qu'on aura, c'est que bah, il y aura un repère secret qui sera caché. L'ouverture est là, enfin la grosse entrée sera là. Je vais essayer de faire un truc un peu tentaculaire. Peut-être même, pourquoi pas, réussir à creuser un tunnel qui monterait ensuite et qui arriverait jusqu'à ma maison romaine. Ça pourrait être super fun de pouvoir réussir à faire tout le passage en souterrain. Je sais pas encore si je vais y arriver, hein. Enfin, c'est possible physiquement, mais après, je sais pas où je peux débarquer en faisant ça. Probablement sous la falaise, tout simplement. Et ça permettra de nous faire un petit lien aussi avec la maison romaine que je n'ai pas touchée depuis un bon moment et qui mériterait de trois petits travaux de finition en fait. Mais bon, ça se fera en temps voulu. Puis comme vous voyez, en fait, bah, l'escalier il va tourner autour d'une espèce de grosse racine centrale que vous voyez donc juste ici. Et par contre, après la salle, oui, elle sera murée uniquement avec du bois. On mettra aussi des petites. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Vous savez, ces trucs qui brillent là. Super glow glass, voilà, ça. Ces trucs-là. Parce que c'est vrai que quand on est là-dedans, ça donne vraiment une super ambiance. Donc, il faut. Je me dis que c'est vraiment un truc à creuser. Et en parlant de creuser, je vais faire ça et je vais mettre cuir. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me faire un petit stack de super glow glass. Pratiquement, hein. J'ai pas les 200 torches nécessaires pour ça, mais enfin bon, c'est pas grave. On n'est pas à 3 torches près. Enfin, tac, du coup, on balance le sable dedans. C'est pratique la touche majuscule. Et j'ai un tout petit peu de charbon que j'ai trouvé avant. Ça ira bien pour le moment. Tiens, d'ailleurs, j'ai jamais essayé. Je sais pas si le charbon tient plus longtemps si on en fait un bloc. Intéressant à tester, je ne l'ai pas fait. Oh, c'est pas grave. Probablement que le combustible tient un petit peu plus longtemps que si c'est 9 charbons séparés. Mais c'est pas grave. De toute façon, je suis pas un prêt de nouveau. Tac. J'irai le chercher s'il en faut encore. Voilà. Et puis on va essayer de se faire un truc comme ça, boisé. Avec des bouts en. Ah, là il y a un petit bout de truc. On voit bien qu'on n'est pas pile au milieu du tronc d'arbre. C'est fait exprès puisqu'après on sera littéralement sous le milieu du tronc d'arbre pour le. Pour la salle hein, qui commence finalement qui va se trouver par là où on est dans la roche, n'est-ce pas? Ok, alors du coup ce que je vais faire c'est que bah, je vais me laisser machin cuire et puis ben pendant ce temps je vais continuer à creuser, je vais continuer à remplir et puis on se retrouve après. À tout de suite. Ok les amis, on se retrouve après ce petit time-lapse. Donc j'ai fait un joli ménage quand même. C'est plus petit que ce que j'espérais, mais je trouve que ça donne super bien niveau forme. C'est vraiment, enfin le but c'est que ça fasse, il y a un peu un côté voûte comme ça, mais qu'en même temps, bah c'est des, il n'y a pas de truc complètement carré, donc ça doit être assez arrondi. Et je pense que ça donne assez bien du coup. Alors non, va falloir paver tout ça, hein, comme l'on fait avec les bonnes intentions. Oui, je m'égare complètement. Alors. Voilà. Mais ça va assez vite, c'est ça qui est bien. Hein. On est tranquille. Enfin, pour l'instant, je pose ça un peu comme un sac quand même. D'accord, soyons honnêtes, je viens de poser des blocs comme un sac. Toi, je vais t'enlever, je vais remonter d'un cran. Même deux, ce truc-là, je vais le virer. Voilà, comme ça, on pourra faire un truc un peu plus rond. Et on pourra même cacher une petite lampe juste là. Yes. Sachant que le but, c'est quand même qu'on ait un minimum de lumière, hein, parce qu'on voit pas grand-chose.
Ok. Voilà. Puis en même temps, on va faire l'enrobage avec du bois. L'enrobage, comme dans les bonbons. Non, ça risque de mal finir cette histoire-là. Ok, on va oublier. Hein, si vous voulez des trucs bizarres comme ça, chelous sur la nourriture, vous allez regarder French Food Porn. Alors, maintenant, on va s'attaquer à une petite arche, là. Ça peut être très chouette. On a un début juste ici. Échafaudage en bouse. Activé. Alors, tac. Voilà, là on met deux, là on met un. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ok, on va reprendre le coup de l'échafaudage en bouse. Ok, donc toi on t'enlève. Yes. Voilà, et si je veux une arche, là. Ah! Décidément, c'est le matin, il faut le se réveiller. Non, c'est pas vrai, c'est pas le matin du tout. C'est juste que je débloque un peu. Voilà. On t'enlève. Ok. Et là, du coup, on a une petite arche. Ça fait son petit effet. Elle est bien sûr pas symétrique, hein. Si elle était parfaitement symétrique, bah limite, ça casserait le truc. Le but, c'est de faire une espèce de pseudo-symétrie, mais qu'on n'ait pas vraiment une. De toute façon, dans la nature, il n'y a rien qui est symétrique, quand même, d'absolu. Vous prenez n'importe quoi, je veux dire la tête de quelqu'un, par exemple. Ben oui, quand on fait un bonhomme, on dessine deux yeux, un nez, une bouche. Ben oui, tout le monde, a priori, a deux yeux, un nez, une bouche, mais ils sont pas exactement face. Si vous prenez une photo et que vous mesurez au millimètre près, vous vous rendez compte qu'il y a des petites disparités, des petits trucs qui jouent pas. Donc c'est un peu le même concept là, on fait pas le même truc des deux côtés pour avoir un truc au final plus naturel. Ok les amis, on se retrouve dans cette petite salle qui est maintenant terminée, donc il y a tout qui est fait. Les seuls trucs qui manquent c'est ben il y a deux trois bouts de terre qui traînent, vous voyez juste là par exemple. Et l'astuce c'est que justement comment on peut la détecter tout de suite puisqu'il y a des lianes qui en tombent, donc c'est assez simple. On peut grimper la liane et puis on peut les poser notre truc et après on retombe. Yes. Du coup l'épisode est un peu plus court que d'habitude. Je m'en rends bien compte, hein. What? Il me semblait que. Ok, non, c'est genre je débarque et puis ça commence à pousser. Ok. Mais voilà, je suis assez content de cette petite salle. Je sais pas exactement ce qu'on mettra dedans. Je sais qu'il y aura une histoire de magie qui devrait arriver une fois quand même. Donc ça pourrait être chouette comme endroit, comme truc. Donc je me dis pourquoi pas. Cette façon, cette salle existe, hein, on peut la garder en stand-by pour l'instant et puis la réutiliser plus tard. Voilà. Du coup, ben ouais, je suis en fait en train de finir mon montage. C'est un peu bordélique parce que dans ma tête parce que je me dis mais mince, je n'ai que 12 minutes d'épisode. Ah, il me manque la moitié. Concrètement, j'avoue que j'ai pas le temps de vous faire plus de contenu. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Ces temps, c'est assez drôle, je suis en vacances et en fait c'est un peu comme si du moment que les vacances étaient là, tout ce qui nécessite un petit peu de temps d'habitude décidait de se multiplier par 10 en besoin. Donc j'ai besoin de faire des milliers de trucs et puis ben voilà, du coup la vie réelle passe avant la vie réelle passe avant le reste. Ça y est, madame est à moitié morte en train d'éternuer, c'est logique, il ne fait que 26 degrés dans l'appartement. Vous comprenez donc qu'elle a froid. Voilà. Sur ce, du coup, ben, je vous abandonne là-dessus. Ne pleurez pas, je reviendrai très bientôt pour un nouvel épisode, quand j'aurai le temps de vous faire un peu plus de contenu. Je préfère vous faire un minimum de qualité quand même, entre autres sur le montage du timelapse. J'ai fait un rendu intermédiaire pour voir. Le gros timelapse de l'arbre, hein, ça a pris plus de 50 minutes à monter à l'ordinateur. Donc voilà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire là-dessus. Sachant que j'aimerais faire pas mal de ce style-là, mais que ça me prend bah, des plombes et des plombes et des plombes à faire en termes de rendu, de montage et tout. Donc voilà, si vous trouvez ça pourri, bah, vous me le dites aussi, comme ça j'évite de me perdre des heures là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!